pourquoi elle pleure? Elle est tombée de vélo, elle s'est fait un peu mal. Ah, elle n'arrêtera pas tant qu'elle y sera pas arrivée. Hein? Exact. Je me demande quelquefois d'où elle a pris cet entêtement. Elle ne tomberait plus si tu lui donnais quelques leçons. Je le ferai aussitôt que je reviendrai, c'est promis. Arrête, Sébastien. Tu répètes cette phrase depuis qu'Emma est née. Ah, ouh, la barbe. C'est rien, mets la tête en bas. Ah. C'est pas grave, juste un peu de sang. J'ai horreur de la vue du sang. Tu veux dire que t'as horreur de voir ton propre sang? C'est vrai, écoute Karen. Dans moins de 2 semaines, j'aurai abandonné ce métier. Je te rappelle que tu dis ça depuis qu'Emma est venue au monde. Si tu es sage comme convenu, je te rapporte quelque chose de spécial, ok? Oui, mais tu reviens bientôt, hein, pas? Dans 1 semaine à peu près. Je veux que tu écoutes maman, d'accord? Ok. Bien, surveille mon bébé, monsieur Pluche. Je t'adore, ma poupée. Moi aussi, papa. Tu m'accompagnes à la voiture? Oui. Dans 1 semaine. Oui, on va y arriver, hein, chérie, à ton avis? J'en suis sûr. C'est le dernier voyage, promis. Je t'adore. Moi aussi. Fais bien attention. Ah, t'en fais pas. C'est pas 3 comptables qui vont m'effrayer. Bye. Il est en sécurité dans ma chambre à l'hôtel. Bien, très bien. La mèche va brûler pendant 1 minute. Quand la mèche s'éteindra, vous aurez 20 secondes. Et aidez la cour. Quand ça sautera, plus loin vous serez, mieux c'est. Ambassadeur Ramirez.
Pas si vite, pas si vite. Dis-moi, mon gars, t'as vu l'heure qu'il est? Qu'est-ce que t'as foutu, hein? Moi, désolé, je t'attends. J'ai aucune excuse. Bon, mets-toi au boulot. Y a pas de temps à perdre. Allez, en piste. Robert, j'ai pris des engagements à la fois financiers et politiques à mon compte personnel. Monsieur l'ambassadeur, votre gouvernement montre peu d'enthousiasme pour les positions prises par notre président et cela l'inquiète. Votre rôle aux Nations Unies est important et plus encore l'année d'une élection. Non, je suis trop à droite, évidemment, pour les sentimentaux que vous êtes, je suppose. Ben, ça risque de créer des problèmes. Oh, très bien, contactez vos partisans, je leur dirai un mot, mais plus tard. C'est mon anniversaire aujourd'hui, n'oubliez pas. Elisabeth, où est votre époux? D'ailleurs, je préfère qu'il ne soit pas là. Vous êtes plus jolie que jamais. Bonjour, et mes meilleurs vœux. Merci beaucoup. Hola! Je tiens à remercier mes nombreux amis de la communauté diplomatique américaine pour l'insistance extraordinaire qu'ils mettent à me rappeler mon grand âge. Ça, je ne vous le pardonnerai pas de sitôt. Les citoyens de mon pays ont beaucoup de points communs avec vos concitoyens. Nous prônons les valeurs familiales et l'amitié. Nous nous efforçons de trouver de nouvelles perspectives pour nous-mêmes et nos concitoyens. Nous nous battons, nous aussi, pour une communauté mondiale stable et forte, afin que la croissance économique actuelle continue, sans l'ingérence excessive de nos gouvernements. Aujourd'hui, le gouvernement intervient beaucoup trop dans la vie de nos concitoyens. Et la criminalité montante fait peser une menace de plus en plus forte sur les innocents et les personnes sans protection. Nous vivons à une époque où nous devons rassembler tous ceux qui soutiennent notre politique. Et nous pourrons ainsi regrouper nos forces et prendre en main nos problèmes. Nous devons agir de façon responsable. Mais nous devons agir. Le peuple de mon pays veut que votre pays redevienne l'exemple qu'il était autrefois. Nous voulons que vous apparaissiez après les prochaines élections comme la nouvelle conscience du monde libre. Mais vous savez bien pourquoi nous sommes réunis. Eh bien, à l'occasion de mon anniversaire, je vais vous faire un cadeau. Je prends l'engagement de soutenir pleinement cet effort et de vous apporter toute mon aide. Joyeux anniversaire, monsieur. Oh, oh, merci beaucoup. Faites un dernier vœu. Approchez, venez là. J'aimerais faire un vœu pour l'avenir sans nuages de nos chers enfants. Thank you.
Attention! Les mains en l'air! Ne bougez plus! Je suis vraiment désolé. Tu me mens. Tu me mens. Je suis désolé. Tu assassines des gens. Au nom du gouvernement, oui. Je fais ça pour le gouvernement des États-Unis. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Bien évidemment, qu'est-ce que tu attendais? Qu'ils avouent mon existence? Comment as-tu pu? Comment as-tu pu nous mentir? Comment as-tu pu tuer? Comment as-tu pu nous faire ça? Je n'ai rien fait contre nous, chérie. Au contraire, je l'ai fait pour nous. Je suis soldat avant tout. Quand je suis rentré de l'armée, ils m'ont offert un poste intéressant. Un poste intéressant? Je t'en C'est prie. Un poste non, intéressant non, chérie, pour quoi? Pour devenir plaît. Meurtrier? Quel est ton plan de carrière, hein? Devenir le meilleur tueur en série ou bien le plus grand tueur en série? Dites-moi, monsieur Delacour, pourquoi le gouvernement américain voulait-il tuer un de ses ambassadeurs? On m'a dit que c'était un trafiquant d'armes qui se préparait à vendre du matériel volé à l'armée américaine à l'un de nos ennemis. La CIA avait bien essayé de l'approcher, mais sans succès. Apparemment, j'étais leur dernier espoir, mais je n'ai pas rempli le contrat. Vous n'avez pas rempli le contrat? Non, je n'ai pas tué l'ambassadeur. J'ai abandonné la mission. Quelqu'un d'autre l'a tué. C'est ce que vous dites et vous le répétez sans cesse. Mais l'ambassadeur est on ne peut plus mort. Et vous avez admis avoir accepté cette mission. Alors, qui est l'homme qui a dirigé cette opération? Qui vous a donné les ordres? Vous savez que je ne peux rien vous dire. Et pourquoi pas? Parce que ma vie et ma famille seraient mises en danger. Je ne peux rien dire du tout. Ah. Enfin, monsieur Delacour, vous vous rendez compte que la CIA n'a absolument aucun souvenir de vous avoir employé ou de vous avoir confié cette mission. Rien du tout. Ils ne savent même pas qui vous êtes. Évidemment que je le savais. Ils ne peuvent pas en dire plus. Que vouliez-vous qu'ils vous disent? Qu'ils vous dévoilent tous leurs petits secrets? L'ambassadeur Ramirez n'était pas trafiquant d'armes, monsieur Delacour. En fait, il en était même très loin. Il présidait le Conseil contre le terrorisme international aux Nations Unies et c'était aussi un proche conseiller de notre président. Sébastien Delacour a été reconnu coupable aujourd'hui par la Cour fédérale de l'assassinat d'Enrique Ramirez, l'ambassadeur du Chili auprès de notre gouvernement. Delacour a été condamné à la prison à vie sans possibilité de rémission de peine et sera détenu dans un quartier de haute sécurité. Ça dure depuis 3 ans et nous avons fait 2 fois appel sans résultat. Je dois continuer à vivre, poursuivre mon chemin. Emma doit continuer à vivre. On ne sait plus qui tu es vraiment. Je ne sais pas si on l'a su un jour. Tu menais une vie à part, loin de nous. Une vie dangereuse et cruelle. Tu es un étranger, Sébastien. Et une partie de toi est vraiment très... Karen, heureuse. S'il te non, plaît. Non, écoute. C'est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire de toute ma vie. J'ai fait une demande de divorce. Je t'en prie, essaie de comprendre. Il faut qu'on continue à vivre toutes les deux. Emma doit cesser de pleurer tous les soirs pour revoir son papa et je dois moi aussi cesser de pleurer sur toi. Il faut que tu me comprennes. Je suis désolée. Karen, je t'en prie, non. Karen, attends. Je t'en prie, attends. Thank you.
Monsieur Preston. Une seule mauvaise pomme peut faire pourrir tout le poisson. C'est mon père qui me l'a dit. Si ce pays veut retrouver sa grandeur, si nous voulons sauver tout le boisseau, alors nous devons trouver les fruits qui sont pourris et les détruire très vite, avant qu'ils ne réussissent à pourrir les autres. Il ne restera plus alors qu'une société propre et saine. Un nouvel ordre mondial, fait de pommes parfaites, Monsieur Preston. J'aimerais que vous y pensiez. Je vais laisser ça juste là. Je suppose que vous aurez faim tout à l'heure. Tu connaissais les risques, Della. Tu m'as laissé tomber sur ce coup-là, Neil. Tu le savais, tu as tout fait foirer. C'était une opération sensible, les politiques le sont toujours. Je ne pouvais rien faire pour toi, tu étais trop mieux. Tu m'as abandonné lâchement. Maintenant, je suis là. Je suis là pour t'aider. Ah oui, comment? En me rendant ma femme et ma fille? En me faisant revivre ces années passées sans elles? Non, je ne peux rien te donner de tout ça, mais je peux faire un petit quelque chose pour toi. Et qu'est-ce que tu as à me proposer, Neil? Ta liberté. Deux agents ont essayé, mais apparemment sans succès. Et pire que tout, ils ont disparu. Et toi, tu es bien meilleur que deux. Et qui plus est, tu n'as rien à perdre. Alors, je fais une dernière mission pour vous, et puis quoi? Je suis pardonné? Non, j'avais plutôt pensé à t'aider à réussir une évasion. Non, merci, Neil, non. Je veux pas passer le reste de ma vie à me planquer. Non, tu n'aurais pas à te cacher. Tu deviendrais un évadé, bien sûr, mais un évadé qui, grâce à un bureaucrate qui n'a pas fait son boulot, n'aurait plus personne à ses trousses. Les fédéraux aviseraient la police locale qui se charge des recherches et ils oublieront que tu as jamais existé. Non, ça ne m'intéresse pas. J'en ai marre de toi. J'en ai marre de la compagnie. Vous ne valez rien, Neil. Et tu penses avoir le sens des valeurs et ça ne vaut rien non plus. Tu as peut-être raison, mais... Pense qu'il est peut-être encore possible de reconstruire ta famille. C'est vrai, elle m'a grandi, elle a quoi maintenant? 9, 10 ans? Elle m'a demandé de te donner ça. Elle serait heureuse de te revoir. Essaye d'y penser. Comme je t'ai dit, t'as rien à perdre. Il fera zéro en enfer avant que j'accepte de t'aider, c'est compris? Bien, si tu es intéressé, on ne sait jamais. Monsieur Pluche te dira comment... Comment t'y prendre pour sortir d'ici? Partons faire une ronde dans les étages inférieurs. Terminé.
longtemps que j'étais pas venu par là. Je viens de temps en temps pour être tranquille. Et puis, il n'y a pas de caméra. Pourquoi t'as fait ce numéro? Pour qu'on nous foute la paix. Avoue, c'est une honte que deux honnêtes types comme nous soient obligés de se planquer comme des criminels pour fumer une clope alors que les assassins sont dans des cellules avec air conditionné et jouent sur leur console vidéo. C'est pas normal. Eh oui, je comprends ce que tu ressens. Moi non plus, ça me plaît pas d'être traité comme ça. Ça fait 15 ans que je bosse ici. Mais tu vois, je suis pas comme toi. Quand je regarde les rebuts de la société qu'on est obligé de garder ici, je me sens vraiment supérieur. C'est nous qui les gardons en bonne santé. Pourquoi faire? Ils sont inutiles. Ouais, mais t'as un boulot grâce à eux. Ouais. Ah, c'est pour ça que t'es le boss, Jimmy. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas à moi. Personne s'évade d'ici, nous aussi. Retourne les mater, Dave. Oh! Mon Dieu, c'est pas vrai! Appelle vite, Jimmy! Le téléphone a été coupé. Où il est passé? Thank you.
C'est merveilleux, tu ne trouves pas ? Imagine, d'abord ils voulaient le mettre par terre, maintenant ils veulent le restaurer. Moi je le préfère tel qu'il est, ça me rappelle l'Europe de l'Est. Délabrée, mais toujours élégante. Un peu comme nous, mon vieil ami. Les choses étaient plus simples alors, il y avait un peu d'honneur dans ce qu'on faisait. Tel qu'il est là, j'ai pensé qu'il ferait un merveilleux écrin pour notre petit drame, n'est-ce pas ? Oh, bravo, Neil. Tu t'es réellement surpassé cette fois-ci. Le monde entier est une scène et les hommes et les femmes participent à la pièce. C'est comme ça que tu le vois ? On nous a attribué un rôle pour le plaisir de nos maîtres. Pourquoi ne m'as-tu pas aidé quand la mission que j'avais acceptée ne s'est pas déroulée comme prévu ? J'étais trop compromis. Ah ça oui, j'étais compromis. Le tout est de savoir comment. On avait bien dit pourtant qu'aucun innocent serait là. Le coup était trop public. Il semblerait que quelqu'un aurait apporté un cadeau à l'ambassadeur. Et ces putains de fédéraux, pourquoi ils étaient là, hein ? Je trouverais pas une mare un jour depuis. Ils auraient certainement pas pu me trouver si on leur avait pas dit où j'étais. Cette mission pue depuis le début, Neil. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé, Della. Tu étais un professionnel. Tu étais le meilleur. Et tu t'es ramolli et ils t'ont eu. Tu devais résoudre un problème et pas nous en poser un. Qu'est-ce que tu crois ? On fait pas un boulot facile. On n'a pas de pension pour assurer nos vieux jours. On participe pas aux bénéfices. Et tous les ans, au moment de Noël, on ne donne pas un bal pour féliciter ceux qui ont réussi. Et qui plus est, on n'a personne pour nous couvrir quand tu fous tout en l'air. Non, c'est vrai, ce n'est pas un boulot. C'est une façon de vivre, et tu le sais très bien. Je te signale quand même qu'on vient de te sortir du merdier. Très bien, Neil. Je suis là. J'en suis sorti et je tiens à respecter ma part du marché. Tu avais dit une dernière mission, alors. Qu'est-ce que c'est ? Très bien, voilà le dossier. Tu vas vraiment adorer cette mission. C'est tout à fait ton rayon, tu verras. Une couverture en béton que tu vas aimer, j'en suis sûr. Il faut avoir l'esprit de compétition. Et en plus, t'es dans ton élément en pleine nature. Il paraît que le Vermont est super dans cette saison. Le Vermont ? Qu'est-ce que t'as contre le Vermont ? Trop de bêtes à cornes. Désolé, ça n'a rien à voir avec les bêtes à cornes. Ça n'a rien à voir avec ce que toi tu peux vouloir. Rien à voir avec ta loyauté envers la compagnie. Non, pas du tout. Et c'est certainement pas pour essayer de sauver le monde et la démocratie. Non, tu comprends ? C'est uniquement une dette envers moi. D'elle. Et tu dois payer cette dette. Si tu ne veux pas retourner en prison. Et surtout, si tu tiens à protéger ce qui reste de ta famille. Tu n'as pas le choix. Peut-être bien, Neil. Du moins, pas pour le moment. Mais s'il y a le moindre coup fourré... J'ai dit le moindre. Toi et moi, on fera le dernier voyage ensemble. Il s'agit apparemment d'une milice particulièrement zélée qui opère sous le couvert d'une compagnie qui s'appelle Freedom Construction. Elle est dirigée par un clown qui s'appelle Arnaud Taylor. Il faisait partie des fameux bérets verts, à ce qu'il prétend. D'après ce qu'on m'a dit, il entreposerait des armes lourdes et des explosifs. Et il aurait un carnet de rendez-vous politiques chargé. Ils ont un plan. Et c'est dangereux. Et nous voulons savoir ce que c'est. Il y a un véhicule à l'extérieur, les clés sont dessus, le reste est dans le dossier, les contacts, les emplacements, les appuis, tout ce qu'il te faut. Et dès là, plus personne ne te recherche. Essaie de ne pas trop attirer l'attention. Bienvenue à Wilmington, l'endroit où l'on est quelqu'un.
acheter un flingue, emmerder un libéral. Moi, je suis d'accord. On n'a qu'à pas se laisser faire. Et vise le mec. Je voudrais une tasse de café, s'il vous plaît. Super, la chemise. Eh, si on fabrique les mêmes pour les hommes, j'en veux une. Vous aimez les vaches? Dans le coin, il y a plutôt intérêt, non? Ouais. Je me demande s'il aime aussi les moutons. Mais... Vous formalisez pas pour eux. Ils sont toujours comme ça, ils passent leur temps à embêter les honnêtes gens. C'est pénible à la longue, mais c'est pas mortel. Ça pourrait l'être. Je le savais. C'est le genre de mouton, ce type. Ferme-la, Elliot. Je pense que ce mec se moque de nous. Qu'est-ce que ça veut dire, se moque de nous? Eh ben, qui se fout de nous, en douille. Ces messieurs vivent dans la région. Ouais, pourquoi? Je pense qu'on va être voisins. J'aimerais vous payer une tasse de café. Oh, mais il est dingue, ce mec! Chope-le! Chope-le! Allez, fonce! Ouais, fais-le! Attends, tu vas voir! Attends, connard! Tu vas voir! Mais arrête-le, mon Dieu! Coince-le! Vas-y, coince-le! Vas-y, vite, colle-le! Accroche-moi, je te prends! J'ai pas perdu de fric! Oh, très bien, très bien! Personne ne bouge! Restez où vous êtes, ça suffit! Ça suffit, les gars, vous bougez pas n'importe où. La ferme où je vous embarque. Oh, mais ça alors, c'est la meilleure. Viens ici, t'es un homme, mais il m'a frappé. Mais faut l'arrêter, ce mec. Toi, mon pote, t'es un homme mort. J'ai crevé, mon gars. Je te retrouverai, Coco. Tu vas voir. Barrez-vous. Mais qu'est-ce que vous faites? Bon, c'est pas ça nous. Suffit, dégagez de là. C'est pour ça que allez, je fais des impôts. Allez, écoutez, si vous continuez, je vous essayez, tiens. Faudrait des vrais flics pour changer. Je vous mets en tôle. Cause toujours. Foutez le camp. Putain, c'est pour ça qu'on la paye. Voyons si j'ai bien compris la situation. Vous les laissez libres, eux. Eh bien, j'admets que la chance était contre vous, mais le résultat n'est pas celui que je pensais. Il me semble qu'ils ont subi quelques dommages. C'est pas des enfants de cœur, vous savez. D'ailleurs, pourquoi vous vous êtes battus? Qu'est-ce que vous faisiez là? Je voulais étancher ma soif. Je vois. Quel est votre nom? Del Sébastien. Adresse? Wilmington, Delaware. C'est tout? Juste Wilmington, Delaware? C'est ça, Wilmington, Delaware. Le meilleur endroit pour être quelqu'un. Pardon? Non, rien. J'aurais besoin d'une vraie adresse, monsieur Sébastien. Je n'en ai pas encore. Vous êtes un vagabond? Non, je viens juste d'arriver. Je cherche du travail. J'étais là environ 5 minutes avant vous. J'ai dû faire impression, hein? Oui. J'aurais quant à moi choisi une approche plus discrète pour commencer. Vous savez, sergent... Cole. Je ne pense pas que la discrétion aurait suffi, qu'en pensez-vous? En parlant de faire impression, monsieur Sébastien, dites-moi, ils étaient bien 3 contre vous. Et je les connais bien, ces gars-là. À eux 3, ils ont à peine plus de cervelle qu'un petit pois. Mais ils sont jeunes, ils sont durs, et la bagarre les a jamais effrayés. Alors comment se fait-il qu'en arrivant pour vous sauver la vie, j'en ai trouvé 2 par terre, alors que vous, vous étiez là debout avec ce pack de coca, et que vous n'aviez même pas une mèche de travers? Alors vraiment, dites-moi, si je vous passe au fichier, je vais trouver que vous êtes une sorte de machine à tuer, ou même pire, ça? Ah non, voyons, sergent, c'est beaucoup plus simple que ça. Pendant que j'étais militaire, j'ai appris à faire face à ce genre de situation. Et d'ailleurs, j'essaie de les éviter en attendant que vous soyez là. Très bien. Oui, à part que vous ne le saviez pas. Vous ne saviez pas qu'on m'avait appelé. Ah, ok. Vous pouvez y aller, mais vous êtes prévenu, ne causez pas d'autres problèmes. Promis. Partez pas. Offrez-moi une de vos armes de pointe. Je vous la choisis. Celle-là a été on ne peut plus intime avec le nez d'un de vos voyous. Merci. Ah, j'allais oublier. Où vous installerez-vous? Je n'en sais rien. Ah, c'est vrai, vous venez d'arriver. Et pour le travail? Je vous l'ai dit, je suis venu pour ça. J'ai entendu dire qu'il y a une de vos entreprises, c'est Freedom, qui cherche des gars. Vous rigolez? Pourquoi? Monsieur Sébastien, ces charmants jeunes gens que vous avez légèrement bousculés travaillent pour Arnaud Taylor chez Freedom. Écoutez, vous n'avez pas violé la loi, c'est vrai, et... Je n'ai en aucun cas le droit de vous dire de partir, mais ce ne sont pas des tendres et vous avez l'air de quelqu'un de bien.
Pensez-y avant de vous décider. Est-ce que vous me donnez un conseil officiel? Oui. Oui, c'est officiel. Je vais voir. Bien. Calmez-vous, je veux pas d'autres problèmes. Vous en avez pas eu assez? T'aurais dû y penser avant de te pointer là. Elle est pas là. Mais qu'est-ce que tu veux, hein? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux t'arracher? Ça suffit, messieurs. Bon Dieu, qui êtes-vous? C'est le type dont on a parlé, boss. C'est lui qui cherche les problèmes. Monsieur Pete, s'il vous plaît. Je ne m'adressais pas. Je m'appelle Del Sébastien. Puis-je faire pour vous, monsieur Sébastien? J'ai entendu dire que vous embauchiez. C'est possible. Je crois qu'on devrait discuter des possibilités avant que vous n'abîmiez tous les hommes. Alors, comme ça, vous cherchez du travail. Vous êtes toujours, comment dire, agressif partout où vous passez. Oui, dernièrement, oui, monsieur Taylor. Alors qu'en général, je préfère réfléchir à un problème avant de m'y attaquer. C'est raisonnable, monsieur Sébastien. Quel genre de travail cherchez-vous? Eh bien, je suis spécialisé pour ce qui est gros équipements et démolition. Je sais recevoir des ordres, je connais mon boulot. Et je suis prêt à travailler dur si le salaire en vaut la peine. D'où vous vient votre expérience? Principalement de l'armée. Tout d'abord à l'armée quand j'étais au pays. Et chez les Rangers au 3e bataillon. J'ai servi au Vietnam. C'est là que vous avez acquis votre expérience en démolition. Mm-hmm. Où étiez-vous au Vietnam? Delta du Mekong. Je vois. Vos qualifications me conviennent bien. Et nous avons toujours besoin de bras pour participer à notre effort et bâtir une Amérique meilleure. Ouais, j'ai été embauché ce matin. Non, aucun problème, non. Très bien, je te dirai ce que j'ai trouvé aussitôt que je pourrai. Oui, c'est d'accord, mais méfie-toi. Taylor n'est pas né de la dernière pluie, je sais, mais on ne peut te permettre la moindre erreur. Taylor veut que t'ailles au pont de Springfield après le déjeuner. On va faire sauter des rochers. Tu sais comment y aller? Je trouverai. Très bien. Va voir Walter au bâtiment 4 et prends des détonateurs. Prends tout ce qu'il faut et file là-bas. Thank you.
Salut. Mais ça va pas. Oh, et d'abord, Walter. Qui vous êtes-vous? Je ne voulais pas vous faire peur, Walter. Vous connaissez mon nom? Oh, qui vous êtes-vous? Vous êtes du bowling, c'est ça? Bowling? Oui, des pompes ont disparu. Ils disent que je les ai volées. Oh, non. Je m'appelle Dell, je suis le nouveau. Je cherche le bâtiment 4. J'ai besoin de détonateurs. Ah, bâtiment 4, c'est ça? C'est ça. Ouais. Eh ben, vous y êtes. Bien. Vous voulez quoi? Je veux des détonateurs. Des détonateurs, c'est pas un problème. Très bien. J'ai ce que vous voulez. Où je les ai mis. Je les ai. Regardez. Regardez ça. C'est vraiment de l'art. Ouvrez la main. Chouette, hein? Top qualité. Tu connais les explosifs? Magnifique. Oh oui, merveilleux. Mais on n'utilise pas ça pour Springfield. Sans trop beau, oui. J'ai ce que tu veux. Oui, tiens, c'est bien cela. Hey. Del. Et ça, tu sais ce que c'est? J'ai jamais vu ça. C'est la roue du mort. Mmh. Autrefois, pour les explosifs, ils s'en servaient. Tu te rappelles la dynamite, Del? Et tu choisis ce que tu veux faire sauter. Un gros bâtiment, un petit bâtiment, ouais. Des petits trous, des grands trous, des rochers, des chiottes aussi. Tout ce qu'on veut, la roue faisait. Ouais. Génial. Alors, pourquoi on appelle ça la roue du mort? Elle n'était pas toujours très sûre, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a là, Walter? Non. Réservé au personnel autorisé. On reste dehors. C'est pas pour toi. Je suis le seul qui a la clé. J'ai pas le droit de laisser entrer quelqu'un. Tu veux voir? Bien sûr. C'est de la belle camelote que t'as là, Walter. Oui, je sais. Monsieur Taylor a toujours les meilleurs explosifs. Oui, c'est seulement un de mes bâtiments. J'en ai 4 en tout. Oh, il y a des explosifs qui s'en vendent là demain matin. Plein pour un gros coup. Oui, Monsieur Taylor en a vaguement parlé. C'est où, déjà? J'en sais rien. Le Big Boss ne me dit pas tout. Je crois que c'est à Washington. Le Big Bang est assuré avec tout ça? Oh, oui. Oui. Pour le Big Bang, il y a ce qu'il faut. T'as vu? Non. Je pense qu'il vaut mieux pas faire ça ici. Mais merci pour tout. Faut que je rapporte ça. Comme salut. Alors, monsieur Sébastien, on part en voyage avec le boss? Pourquoi vous me demandez ça? C'est pas Freedom Corporation, le hangar là-bas? Oui, en effet.
Alors, qu'est-ce que vous fabriquez? Aujourd'hui, je joue les chiens de garde. Pour Arnaud Taylor? Ben oui. Pourquoi? Ben, il me l'a demandé. Apparemment, un de ses clients mécontents est un petit peu dingo. Alors, il m'a dit de le surveiller d'ici au cas où le gars arrive. Vous rigolez? Il est un peu paranoïaque, hein. Mais c'est dur de dire non au boss. Pourquoi il appelle pas la police? Eh bien, ça a quelque chose à voir avec la police en jupon qui lui inspire pas confiance. Ce sont ses mots, pas les miens. Ok. Voilà. Je me demandais... Oui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'amuser dans le coin? Il y a le bowling. Le bowling. Avec les boules énormes, c'est ça? Je suis pas doué. Ben, c'est à peu près tout. Je vois. Bon, alors dans ce cas, Sergent Cole, voulez-vous venir au bowling avec moi ce soir? Bien sûr. À condition que je paye pour moi. Pas de problème. Je vais même vous dire mieux. Vous paierez ma part aussi. Ok, ça marche. Je dois y aller, mon boss est sur le départ. Alors à ce soir? Je viendrai vous chercher. Vers 8h. Ok. Voyons ce que nous dit le fichier de la crime. Mon code d'identification, VT81565. Del Sébastien. Art et recherche. Oui, et on va voir s'il a un autre nom. Alias, oui. Bureau du Congrès à Washington.
Charge explosive de 2188 kilos. Waouh, quel feu d'artifice! J'espère qu'il n'y en a pas 2000. Oh, oh, on dirait que c'est bon. Sébastien de la Cour. Qu'est-ce que c'est ça? J'y comprends rien. Un fugitif? Ben ça alors. Évadé d'une prison fédérale, meurtre au premier degré. Oh mon Dieu. Considéré comme extrêmement dangereux, contactez les autorités fédérales immédiatement. Fouillez les locaux en entier. Vraiment ingénieux, oui. Peut-être même encore plus ingénieux qu'on ne l'avait pensé. Transmettre la photo? Oui. Shérif, j'écoute. Quoi? Au mille et une fleurs. Stratton aux archives, s'il vous plaît. Ne quittez pas, je fais le transfert. Les archives, j'écoute. Martha? Oui, c'est Martha Stratton. Que puis-je pour vous? Martha, c'est Sébastien. Sébastien? Sébastien de la Cour? Tu as combien de fans qui s'appellent Sébastien? Oh, je n'en ai qu'un, mon cœur. Seb, j'arrive pas à y croire. Je croyais que t'étais... Bah, ça fait plaisir de t'entendre. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Sébastien? J'ai besoin d'avoir accès à un dossier sur lequel Neil Kennedy travaille. Déroulez, donnez autant de tuyaux que vous pouvez. Martha? Extrêmement fructueux, mais très très étrange, Sébastien. Comment ça? Eh bien, à première vue, on dirait que ta Freedom Corporation est une couverture pour un groupement paramilitaire très actif, dirigé par un certain Arnaud Taylor. Il pratique une politique d'extrême droite. C'est le genre de type pour lequel le suffrage universel est une hérésie. Il est en liaison directe avec de nombreux politiciens. Il semble que l'ambassadeur Enrique Ramirez est un de ses fervents supporters.
Ramirez ? Ouais. Il aurait même apporté ouvertement son soutien aux théories et aux programmes ultra-conservateurs qu'ils défendent. Il est possible qu'il ait fréquenté assez assidûment ce cher Arnaud Taylor. Attends, j'ai une photo de surveillance. Il est identifié comme Taylor Santiago. Elle est datée justement de la veille de l'assassinat de Ramirez. Tu n'as rien sur Neil ? On dirait justement qu'il est cul et chemise avec cette bande de fous depuis bien longtemps. Il les surveillait peut-être seulement. Rien d'autre à part ça, Sébastien. J'ai un tas de dates, d'endroits, de descriptions. Mais à chaque fois, il y a un rapport avec ton ami Neil. Qu'est-ce qui se passe, Sébastien ? Je n'en ai pas la moindre idée. J'ai juste l'impression que les choses se compliquent. Monsieur Delacour, je ne vous espérais plus. Avez-vous tué mes deux gardes du corps ? Non, mais l'un d'eux ne pourra plus répandre vos propos subversifs pendant un certain temps. Cet incident qui a eu lieu chez vous, c'était juste pour attirer votre attention. Je savais que ça ne vous arrêterait pas. Oh ! Merci. Pour ceci. Oui, bien sûr. Mes empreintes. Oui, oui. Vous serez tenu pour responsable du chaos qui va régner dans les bâtiments du Congrès demain midi. On trouvera vos empreintes sur les détonateurs et quelques fibres de vos vêtements à côté. Ça prouvera que vous y étiez. Vous détruisez le gouvernement, Taylor, sans aucune arrière-pensée. Oui, dès demain. Demain midi, le bâtiment administratif du Congrès cessera d'exister. Pourquoi, Taylor ? L'Amérique est sur le déclin, monsieur Delacour. Les infrastructures sont en train de pourrir. Le système d'éducation est pourri, lui aussi. La drogue et la violence ont corrompu notre humanité. Les riches deviennent plus riches encore. Et les pauvres, eux, en subissent les conséquences. Et les hommes politiques, chaque année, nous enfonce encore plus dans le marasme et les dettes. Rien ne change jamais. Le peuple doit prendre le contrôle dès maintenant. Nous avons assez attendu maintenant et nous n'avons plus rien à perdre. Non, à part quelques vies. Vous allez aider à libérer le pays de la corruption et de l'avidité qui le tue. Et demain, pour ce pays, ce sera le jour de l'indépendance. Mon Dieu, Taylor, regardez où vous en êtes. Vous avez l'air d'un de ces politicards imbus de leur personne. Ah, non. Pas ça. J'attendais d'autres paroles. Surtout de vous, Delacour. J'avais espéré que vous verriez le bien fondé de mon action. Ce que je vois, monsieur Taylor, c'est un malade mental. Ah, je m'en doutais. Votre plan, c'est de plonger le monde dans le gouffre de la démocratie. Et pour atteindre ce but, il faut éliminer le malade mental. C'est tout à fait ce que je pense. Je penserai encore pendant une seconde, Ella. Neil, quelle surprise. Je me demandais quel rôle tu jouais dans cette comédie. Oh, un rôle très intéressant, mon ami. Que l'ambassadeur Ramirez a failli te faire perdre. Vous voyez, Taylor, je vous avais dit qu'il est intelligent. Ah, ce fou de Ramirez avait promis d'obtenir des fonds auprès de la communauté internationale, et il l'a fait. Et il a commencé à fréquenter un de ses libéraux comme Robert Blandon. Et là, bien sûr, il s'est senti obligé de nous trahir. Tu avais pour mission de nous en débarrasser dans une explosion de bruit et de lumière, mais tu t'es dégonflé.
C'est toi qui m'as trahi. Bah, bien sûr, c'était moi. C'était simple. Tu exécutais l'ambassadeur et tu devenais le bouc émissaire. Allez, donne-moi ton arme. Et fais pas l'idiot, je serai obligé de te tuer. Il paraît qu'on a une petite visite. Emmenez Monsieur Delacour. J'aimerais qu'il nous accompagne. Êtes-vous tous en position ? En position, monsieur. Premier martyr de la Révolution, monsieur Delacour. Ouvrez le feu. Retirez l'invité précédent. J'adore les pommes, monsieur Delacour. Je suis désolé, mais nous devons partir. Le voyage à Washington est assez long. Nous avons pas mal de travail demain. À un de ces jours. Bon, ne t'en fais pas, Della. Quelqu'un va te trouver, toi ou ce qui restera de toi. Et puis on t'a laissé une peine.
Ah, c'est bien la première fois que je suis heureux de voir un flic. Je veux d'abord savoir qui vous êtes. J'ai entendu des coups de feu. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas vous qui posez les questions. Taylor et ses hommes ont ouvert le feu sur nous et j'étais la seule à porter un gilet. J'en suis heureux. Bon, maintenant, à votre tour. Arnaud Taylor et Nell Kennedy, mon ancien patron à la CIA, vont faire exploser le bâtiment administratif du Congrès aujourd'hui à midi. Où ils sont maintenant? Ils sont en route pour Washington avec un camion bourré d'explosifs. Je l'ai vu à Freedom, mais ça fait des heures de ça. Vous pouvez me descendre? Non, pourquoi je vous croirais? Avez-vous regardé dans le bâtiment 4? Pas encore, non. Il est bourré de tonnes d'explosifs. Et alors? Sam, on n'a pas le temps de discuter. Si j'ai raison, à midi aujourd'hui, le bâtiment administratif du Congrès ne sera plus qu'un amas de décombres. Si j'ai eu tort, vous pouvez m'arrêter, me tuer, je m'en moque complètement. Maintenant, vous devez avoir confiance en moi. J'avoue que j'en sais rien du tout. C'est vous, l'homme de la CIA, trouvez quelque chose. Qui c'est, ceux-là? Les fédéraux, je pense. Les fédéraux? Pourquoi ça? Je les ai appelés après avoir eu votre fiche par le PC. Magnifique. C'est à vous de trouver, compris? Alors on l'embarque. Il est victime d'un coup monté. Une bombe va exploser à midi à Washington. Écoutez, mes documents indiquent clairement autre chose. Je me moque de vos documents. Je suis désolé. Écoutez, vous faites une terrible erreur. Sébastien, j'ai essayé d'expliquer la situation, mais malheureusement, mon explication les a pas convaincus. Vous vous êtes évadé d'une de leurs prisons et ils croient qu'en vous arrêtant, c'est la fin du complot. Oui, c'est tout à fait ça. Et ils vont rien faire pour la bombe? Non, Kennedy les a appelés juste avant moi et leur a dit que vous êtes un terroriste. Ils pensent que s'ils vous ont, il n'y a plus de bombe. On est les seuls à pouvoir faire quelque chose. Sergent Cole, accompagnez mes hommes chez Freedom. Merci. Désolée, mais je vais devoir insister pour que le suspect reste dans ma juridiction pour le moment. C'est un témoin important pour une enquête en cours d'instruction. Je vais vous demander de bien vouloir descendre de cet hélicoptère. Nous devons l'emprunter afin de continuer l'enquête en cours. C'est dingue. J'ai l'air de l'être. Écoutez, vous violez tellement de lois que vous allez devoir passer plus d'années en prison que lui. Merci pour le conseil, Monsieur Gaines. Maintenant, dehors, dehors, allez, dehors! Oh, j'oubliais. Les clés pour le détacher. Donne-lui les clés. On a un moyen de transport et je risque la tôle. Alors vous avez une idée de l'endroit où on va? Le camion a probablement 3 ou 4 heures d'avance sur nous. On pourra peut-être les rejoindre avant qu'ils soient à Washington. Si on suit les principaux axes, on pourra leur repérer. Ok, mais je doute que ce gars-là ait une carte routière. Il y a eu un petit feu chez moi. Mes cartes sont parties en fumée, c'est idiot. Mais je sais où on va en trouver une. Je veux une carte routière. Bien, bien, j'en ai plein. J'ai pas votre genre d'essence. Ça fait rien. Fais donc le pare-brise. Le pare-brise? Bienvenue en Virginie.
d'être un peu juste en temps, vous croyez pas? C'est celui-ci. Approchez-vous de lui. Vous entendez? Victor, ici l'agent fédéral Gates. Vous avez ordre d'atterrir immédiatement. Vous me recevez? Ici l'agent fédéral Gates. Vous me recevez? Je vous ai donné l'ordre d'atterrir immédiatement. Monsieur Gates, bravo pour la rapidité à trouver un autre hélico. C'est bien. Si vous voulez nous accompagner, donnons-nous rendez-vous au pied du bâtiment administratif à midi. On vous attend. Terminé. Atterrissez immédiatement! Vous m'entendez? Vous violez l'espace aérien fédéral! Nous allons vous abattre à vue! Atterrissez! Génial, on est repéré. Écoutez, je préfère encore une balle dans la tête à un crash. Faites ce que vous voulez, j'atterris. Transport et retenez Gaines aussi longtemps que possible. J'ai besoin d'une voiture. Pourquoi ma voiture? J'en ai besoin. Et je me laisse pas ma voiture, êtes-vous? Vous. Ok. Elle accroche en troisième.
Fédéral 3, on l'a aussi. On prévient l'unité au sol. Désarmez ça, maniez-vous! Paraît qu'il y a une bombe! Reculez! 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 À toutes les unités, dégagez le secteur, présence d'explosifs! Vous savez la désarmer? Je sais pas, j'ai jamais vu ce genre de truc auparavant. Quoi? J'ai dit que j'ai jamais vu ce genre de truc auparavant. J'ai entendu ce que vous avez dit, mais il paraît que vous êtes l'expert ouais, en explosifs. Bah, va falloir que je modifie mon CV parce que la technologie m'a largement dépassé. Mais essayez quand même! Ok. Vous devriez vous tenir quelque part au cas où ça marche pas. J'ai bien choisi, hein? Ouais. Il faut que j'y aille. Maintenant. D'accord. Merci. Un échec impardonnable. Combien de temps pour JFK? J'en sais rien. Pilote, quel est notre HPA? Bonjour, messieurs. Della. Quelle surprise, hein, Neil? Que voulez-vous de la cour? Il veut se venger, qu'est-ce que vous croyez? Non, ça n'a rien à voir avec la vengeance. Ah non?
quoi alors? Je veux que tu sois puni, Neil. Tu as bousillé ma vie. Oh, arrête les violons, Della. On peut retravailler ensemble, bâtir un monde meilleur, comme avant. Je ne pense pas avoir bâti un monde meilleur, mais peut-être juste différent. Vous êtes quelqu'un de doué, monsieur Delacour. Suivez son conseil. Non, merci, monsieur Taylor. Mais en souvenir du bon vieux temps, Neil, je vais te donner un conseil d'ami. Fais un dernier vœu. Tu vas Wilmington, Delaware. Et qu'est-ce que tu vas faire à Wilmington, mon gars? Oh, je sais plus vraiment. Eh, monte alors. C'est peut-être bien là qu'est ton destin. Allez, monte, monte. Thank you.